Une compo qui pour beaucoup est sans doute inattendue, c'est Olaf Kari. Aujourd'hui, je vais vous présenter le meilleur one cost reroll de la méta. Alors voilà à quoi ressemble la composition. Ça, bien sûr, c'est au niveau 7. Donc en attendant d'être niveau 7, vous allez jouer des pentakills. Et on va passer à 4 bruiseurs rapidement à l'aide de Gragas, Seth, Tamkench, Olaf. On voit la version Olaf bruiser, bien sûr. La pentakill, elle est quand même jouable. Du coup, au début, vous allez jouer avec un backliner. Souvent, ce sera une Kayle parce que vous allez la garder pour jouer pentakill à terme. Elle va porter les items du Karthus en attendant le hit. Vraiment, les items du Karthus, c'est un peu ce que vous pouvez faire dans tous les cas. Si vous avez des items AP, vous n'allez pas souvent les mettre en frontline, donc vous pouvez les garder pour la backline. Et dès qu'on peut, on avance en 6 bruiseurs. Olaf, il a un passif qui lui donne plus de dégâts quand il a plus d'HP, c'est-à-dire que plus il a d'HP, plus il va créer de l'attaque speed en étant low HP. Donc on veut rush les 6 bruiseurs. Bien sûr, si on a la version pentakill, ça va être un petit peu différent. On va rester en 4 bruiseurs à ce moment-là et on va jouer des pentakills jusqu'au late game, où au late game, on pourra aussi passer en 6 bruiseurs si c'est cohérent. Dans tous les cas, ce sera souvent 5 pentakills, 7 pentakills, 6 bruiseurs. On va chase un trait, on va jamais aller faire plein de synergies en même temps. Mais la meilleure synergie, c'est bruiser et derrière c'est pentakill. Pour ce qui est des items, vous allez prioriser BT Titan, c'est vraiment les deux meilleurs items de Olaf. Vous pouvez faire plusieurs Titan, vous pouvez faire BT Titan Titan, c'est très très fort. Maintenant, le Sterak, c'est sans doute son meilleur item derrière, et en fait, c'est dur d'avoir deux arcs et deux chains pour faire les deux Titan. Donc du coup, souvent on va se rabattre sur un Sterak, ça nous permet d'utiliser une belt, et puis c'est un excellent item. Ce sera même souvent plus fort dans beaucoup de match-up Sterak, puisque ça apporte de la tankiness, ça apporte beaucoup d'HP sur le Olaf. Du coup, ça va se faire scale son attaque speed. La Titan et la BT en tout cas, c'est le plus important. Si vous avez Gargantuan Resolve, l'augmente qui vous permet d'avoir des plus grosses Titan, Titan qui monte à 40 stacks, à ce moment-là, vous voulez vraiment 2 Titans au moins, voire 3 si vous avez une augmente de heal. Pour ce qui est des items à côté, là je les ai mis sur Tamkench parce que souvent quand vous allez roll down pour Olaf, vous allez trouver un Tamkench 3, ça va arriver. Du coup, on va à ce moment-là mettre les items sur Tamkench. Si c'est pas le cas, on va voir en fonction de ce qu'on touche en premier. Ça peut être Gragas, ça peut être Seth. Dans l'idéal, bien sûr, c'est Zac à terme, voire Illaoi. Pour ce qui est du late game, vous allez rentrer Illaoi, vous allez rentrer Yorick, vous allez rentrer Sona version attack speed, voire version dégâts ou version heal. Ça peut varier en fonction des games, mais l'attack speed ça reste le plus simple. Et on veut vraiment des backlines dans l'idéal autour de notre frontline, parce qu'on a déjà tellement de frontline, en plus avec Illaoi on aura deux tentacules, donc on a vraiment envie d'avoir des unités derrière, sinon en front tout va être embrouillé, mélangé, et c'est pas ce qu'on veut. Du coup, on va se retrouver avec un gameplay de Kiyun. Pour ceux qui connaissent pas, Kiyun c'est un des top streamers et un des top joueurs, en tout cas de l'époque, de TFT. Ça reste un excellent joueur actuel qui fait toutes les grosses cups, qui est vraiment au top niveau toujours, et là il va directement avoir un Olaf Chosen. Et alors j'ai sélectionné Kiyun pas n'importe comment, c'est à dire que c'est un des meilleurs joueurs de la compo, il la joue énormément. Donc là bien sûr il l'a eu en premier rôle. S'il l'avait pas eu en premier rôle, c'est pas très important. Dans tous les cas, actuellement dans la méta, on va pas sélectionner tant de one cost que ça. Je vous laisse aller voir ma vidéo d'ailleurs sur Double61 qui a joué Yasuo. C'est une autre compo one cost reroll et c'est intéressant parce que si vous commencez à jouer Olaf, vous pouvez avoir envie de jouer Yasuo aussi en fonction de celui que vous allez hit. Vous allez vouloir les jouer beaucoup. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de Olaf. Il y en a 1, 4, 5. Il y a même un autre mec, il me semble qu'il y a un Chosen, enfin pas un Chosen, mais il en a aussi 3. Donc il y a beaucoup d'Olaf sortis. Ça devrait pas être en dérangeant que ça, dans le sens où on a 22 Olaf dans la poule au total. Donc on peut quand même bien entendu toujours le toucher, mais ça va être plus dur. On va voir aussi ce que les gens font. Des fois, ils vendent leur Olaf. Si vous avez ces items, que vous faites un Olaf, etc., que vous avancez dans la game, vous voyez que ça va pas tomber, que ça va pas vraiment marcher, que vous avez, je sais pas, toujours 3 Olaf en 3-2 sur la deuxième augmente, et ben à ce moment là on peut pivot sur Viego, on peut juste passer en pentakill dans les games et avancer sur les niveaux. Je reviens sur le choix d'augmente. Il a regardé un peu tout son lobby, voir si Spoil of War était prenable. Spoil of War, du coup, l'augmente qui est très forte quand vous pouvez écraser le lobby, parce que du coup vous allez looter beaucoup de choses qui vous permettent de snowball et d'encore plus écraser le lobby. Donc il a roll le reste. On s'est retrouvé avec Talent Search, Lucky Glove, qui sont pas des bonnes augmentes en game, et globalement des augmentes pas si fortes que ça dans la méta. Spoil of War c'est très fort si vous arrivez à bien l'utiliser, donc il a sélectionné ça. Et on a vu aussi qu'il a eu directement 5 Olaf, donc là il est vraiment bien, il sait qu'il va commit. A priori, quand vous êtes dans ce spot là avec 5 Olaf, c'est très rare dans la méta actuelle que vous sortiez d'Olaf. C'est tellement fort qu'en fait on peut juste attendre beaucoup. Olaf, c'est pas grave si on le touche que en 4-1 et que d'ici là on a réussi à sauver pas mal d'HP, jouer notre game quand même en ayant un minimum de force. Ça va pas vraiment être une combo de full comeback où vous allez pouvoir avoir 40 HP et d'un coup full comeback le lobby. Ça arrive pas tant que ça non plus. Mais par contre, vous allez pouvoir vraiment tenir avec un Olaf 2 pendant assez longtemps pour ensuite faire Olaf 3. Maintenant, l'idéal c'est quand même le toucher en début de stage 3 en 3-1. Et là, le problème c'est que par exemple son board il est bien, mais il a Spoil of War. Dans un lobby où tout le monde joue agressif, ça reste une KDA Cup. Donc la KDA Cup, c'est quoi? C'est un des tournois majeurs américains qui leur permet de se qualifier au circuit des Worlds. Et donc là, il y a des mecs vraiment très forts dans le lobby. Il y a un mec à Cruel Pack, donc qui est très très avancé au niveau des levels. Un mec à Goinung aussi. Donc là, il y a vraiment beaucoup de monde dur à battre pour quelqu'un qui est juste niveau 3 avec Spoil of War. Donc la game, elle est à moitié high roll parce qu'on a eu 5 Olaf vite avec des très bons composants. Et en même temps, on a une game qui est pas ultra cohérente au niveau de l'augmente. Donc ça peut être compliqué. Après, Spoil of War, les gars, n'ayez pas peur de prendre ça. Même si vous êtes pas super fort au début de la game, ça reste une super augmente qui va scale à travers la game. Après, pour une prismatique, faut quand même savoir que vous allez avoir de la value dessus. Parce que si vous avez pas de value terrible dessus, bah ça reste une prisma en retard. Et là, pour le coup, ça peut être éliminatoire, surtout à Oelo. On a directement un 7 qui va tomber. Donc là, je pense qu'on rentre peut-être le 4 bruiser. Voilà, exactement. Et voyez, à partir de ce stade-là, il a 4 bruiser. Il a la prio, plus ou moins, pour aller chercher une chain vest. On l'espère, ça lui permet de faire une Titan. Et du coup, il pourrait faire Titan, BT, 4 bruiser. Ça, les gars, c'est un opener de fou, vraiment. Vous allez voir, ça sauve plein d'HP. C'est une compo que, très honnêtement, je vous dirais pas de faire ça. Parce que c'est pas la meilleure façon pour apprendre à jouer TFT. Et en plus, c'est pas forcément le meilleur plan de jeu complètement. Mais vous pouvez, si vous le voulez, jouer, je pense, Olaf 100% de vos games et monter en
en Elo actuellement, c'est très 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 fort. Là, bien sûr, on peut faire 10 gold. Je rappelle une base, mais quand vous jouez un reroll, bien sûr, on ne push jamais les levels jusqu'à avoir notre Olaf 3. Et bien entendu, ce Tamkench 3, il est pas non plus si important que ça. J'en ai parlé un peu, c'est bien de le prendre, mais si on a juste 3 Tamkench, ça suffit amplement. C'est vraiment seulement le Olaf qu'il faut passer niveau 3. À puissance à peu près égale, c'est-à-dire que quand vous avez vous un très bon setup, la Riven aussi a un très bon setup, vous allez avoir souvent le match-up contre Riven, Yone, Yasuo, tous ces match-up qui vraiment ont un carry frontline qui fait beaucoup de dégâts. Bah, le Olaf, il va assez bien tanker tout en ayant un single target vraiment efficace sur l'unité en face. Donc, il va pouvoir détruire Riven, Yasuo, Yone qui sont des top compos de la méta. Après, ces compos-là, le problème, Yasuo, Yone, tout ça, c'est qu'elles ont un potentiel de scaling qui est bien plus important qu'Olaf. C'est-à-dire qu'on peut arriver à un Yasuo qui a plein de stacks, un Yone en 6 crowd diver, ce genre de choses qui vraiment commencent à être très dur à battre. 6, 8 bits pour Riven, pareil. On avait un Mordekaiser qui nous permettait potentiellement de rentrer Pentakill dans pas trop longtemps, mais on va le vendre directement pour faire 30 gold, prioriser vraiment l'économie. C'est pas très grave comme lui là de perdre sa streak tant que vous avez des Olaf. Ce qui compte, c'est vraiment l'économie dans tous les cas. Donc trouver une façon, que ce soit à travers la streak ou à travers autre chose, de faire de l'économie, c'est ça qui compte. Et en plus, on a Spoil of War, donc dans tous les cas, l'économie elle va un peu remonter en mid game. Il faut juste être fort le plus vite possible. D'ailleurs, là on a vraiment beaucoup d'Olaf, mais je pense que peu importe les conditions, si on sait qu'il y a de bonnes chances de le faire, et ben on va roll down a priori à 0 pour trouver ce Olaf 3. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément intérêt à faire si on avait une autre augmente Prisma, mais là en l'occurrence avec Spoil of War, plus on est fort tôt, plus on a de chance d'avoir beaucoup de loot dans la game. Donc on va vraiment vouloir le roll tôt. Donc là, peu importe ce qui se passe, je pense qu'on roll down pour Olaf 3. Mais voilà, on voit que c'est un lobby qui a vraiment, tout le monde a vraiment joué un board early très 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 strong. C'est bien parce que ça nous met dans des conditions où le Olaf, il est un peu mis en difficulté, il est pas non plus en train de complètement écraser la game. On va pouvoir voir comment ça se passe en semi-comeback quand on n'a pas eu non plus l'early game le plus dominant, tout en ayant un early game qui est cohérent quand même, on va pas se mentir. Là on a deux Mysterax, c'est excellent. Faire des one cost pour augmenter un petit peu les chances de toucher le Olaf, et là on va roll down directement, on va descendre à 0. Donc là, si vous avez peu d'Olaf, si vous en avez 4, 5, 6, n'hésitez pas à rester au-dessus de 50 gold, à faire des slow roll à 50. Là c'est juste que comme il a Spoil of War plus qu'il avait déjà 7 Olaf, ce qui est à peu près la limite pour commencer à avoir envie de roll plus deep. Mais comme on est toujours niveau 4 sur ce timing en 3-1, c'est pas non plus impossible de descendre à 40 voire 32 gold. 32 gold ça vous permet de vite refaire 40 puis 50 gold, donc de pas être trop dans la merde niveau économie. Mais on n'a pas envie de descendre trop deep si on n'a pas beaucoup d'Olaf. Là on en avait beaucoup, donc on descend à 0 et là vous allez commencer à voir la domination que c'est ce Olaf. Il va vraiment écraser tout le monde. En fait c'est absolument impossible pour les adversaires de tuer le Olaf, il se régène trop. Et en plus de ça il fait des dégâts de fou avec l'attaque speed et la D de la Titan et de la BT. Bon je dis ça, mais il perd le round, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. On était toujours niveau 4. Quand on va vite faire entrer le Pentakill, là on va être dans une domination. Au niveau des augmentes, on a Return on Investment, on a déjà fait tous nos rolls, donc c'est pas logique, on s'en fout de la crown. La Wand, c'est pas bien, on veut pas d'item AP. Et Stationary Support, c'est pas mal, mais on va voir ce qu'on a. Là on a eu Salvage Bean et Crown Guarded, donc je pense qu'on s'acceptait de prendre Crown Guarded. Et surtout, il y a beaucoup d'augmentes de Olaf qui sont très fortes. Heavy Eaters et Too Big to Fail, c'est des top augmentes de Olaf. Donc quand vous avez des augmentes gold, n'hésitez pas à roll vos augmentes, c'est des augmentes qui sont surpuissantes. Si vous les voyez en early game, n'hésitez pas à commit Olaf directement. Too Big to Fail, ça augmente ce qui fait que vos bruiseurs explosent et Eviters, plus ils ont d'HP, vos unités, plus elles ont d'AD et d'AP. Et là, on a la Stand qui reste une super augmente aussi. Il va avoir beaucoup de tempo sur le mid game, il va être fort en mid game. Du coup, on pourrait se dire, ah, la Stand c'est pas dingue, etc. Mais en fait, c'est super fort dans le sens où ça donne du heal, des résistances et de l'omnivampe. C'est des super stats sur Olaf. En fait, ça va nous permettre d'avoir un Olaf qui se unleash à partir du moment où on proc le la Stand. En fait, la compo coupe pratiquement pas de gold là, donc on a pu quand même garder une bonne écho et on est en train de défoncer tout le monde. Enfin, c'est super bien parce que du coup, on crée de l'économie et le but, vous voyez, en ayant une compo qui est pas très cher et qui permet de gagner vraiment fort en mid game, et ben c'est de créer une streak et autour de ça jouer pour aller au niveau 9 directement. Ça c'est vraiment notre intention. Et après il y aura des games où si l'économie, si vous faites casser la streak, que vous avez dû trop roll pour Olaf en même temps, ben on va pas pouvoir aller au niveau 9, on devra roll au niveau 8 pour restabiliser. Et des fois même le lobby sera trop fort, il faudra restabiliser un peu au niveau 8. Mais dans l'idéal, 80% de vos games Olaf, il faut rush le 9 dès que vous avez Olaf 3. On a eu un coffre au niveau de Spoil of War, donc ça nous donne une tire directement, très bon item. On va peut-être faire rédemption, je pense pas en vrai. On va mettre la belle peut-être sur l'Olaf juste pour qu'il survive. On essaie de le laisser low HP. Vous avez vu ce qu'il a fait, il a attendu avant de mettre la belle le plus possible parce qu'il voulait que l'Olaf soit bas HP pour plus de DPS. Il a maximisé l'utilisation de sa belt et il s'en est servi pour être sûr de gagner, parce qu'en tous les cas là il a de bonnes chances d'aller chercher un Sterak. S'il avait eu beaucoup plus d'HP, s'il avait gagné le premier round par exemple, peut-être qu'il aurait pas mis la belle parce que il aurait pas été sûr de pouvoir faire le Sterak sur lui. Ça aurait été bête de passer à côté d'une deuxième Titan et d'avoir une belt un peu bloquée. Comme je le dis à chaque fois, ça fait plein de fois que je fais des compos reroll, donc maintenant ça commence à être redondant, mais avec Superfan, on peut faire sauter les items. Allez voir mes autres vidéos si vous voulez plus de détails là-dessus, mais concrètement, si vous rentrez Superfan, les items vont sauter. Et là, on a un Zac directement, donc on peut rentrer en 6 bruiseurs, et c'est parti. Là, vous allez voir, on a même pas encore Pentakill, on a 6 bruiseurs, mais là, à ce moment-là, regardez juste les HP du Olaf, c'est dingue, il doit en avoir genre 5-6 000, il est absolument intombable. On a de quoi faire un Archangel, peut-être qu'on passe. Non, on va rentrer Arsyl directement, super intéressant. On push niveau 7, ça nous descend un peu en gold, mais on se dit, on joue Arsyl, et en fait, les golds qu'on va récupérer vont rentabiliser le push.
rush, donc ça coûte assez cher, mais ça augmente légèrement la puissance de notre board en rentrant unité en plus, logiquement. On augmente aussi les chances de toucher des bonnes unités. On peut toucher Karthus parce qu'on est niveau 7 avec beaucoup plus de chance, et l'économie va remonter avec Arsteel plus si on est plus fort. Spoil of War, ça nous permet d'avoir plus de drops, en fait, plus de gold si on perd pas les rounds. Comme il a Spoil of War, il veut push, ça lui permet aussi d'avoir les odds de Karthus, c'est tout bénef. En plus, Arsteel va lui rendre potentiellement les trucs. Alors, bien entendu, du coup, là, il l'a fait, mais il vend directement Arsteel parce que ça lui permet de faire 30 gold, donc il récupère un peu de gold là-dessus déjà. En tous les cas, s'il avait fait un cash Arsteel, là, ça aurait été quoi, 40, 60, il aurait fait au max 8 gold. C'est bien, mais bon, est-ce que ça vaut le coup de pas jouer Pentakill pendant 3 rounds, sachant que c'est vraiment super fort en fait. Ça amplifie les dégâts, ça amplifie les résistances de Olaf, et ça peut lui donner de l'attaque speed, donc vraiment, c'est tout ce que tu veux sur Olaf, donc c'est bien plus fort. On va pas cracher dessus. S'il avait plus de stack Arsteel, s'il avait eu 2-3 rounds déjà joué en Arsteel, il aurait sans doute joué encore un dernier round. Ce qu'on aime bien aussi sur Olaf, c'est que comme il tape juste l'affront et que vraiment son spell, enfin il a pas de spell quoi, il fait juste des auto-attaques techniquement, du coup on veut pas qu'il soit bloqué, et pour ça on veut vraiment aller chercher un Heaven Shroud dans l'idéal, donc ça va être aussi un item qui va nous falloir à terme. Après, n'oublions pas qu'il y a Yorick aussi, Yorick qui réduit les résistances adverses, donc quand on est niveau 9, on peut juste se servir de Yorick, c'est pas si important que ça Heaven Shroud dans cette compo, mais avoir Heaven Shroud pour le mid game, ça peut être très utile. On n'a pas eu de quoi faire l'item sur Olaf, ça c'est un peu triste. On n'a pas encore le Sterak, après on est quand même très bien dans la game. On a par contre de quoi faire des items offensif pour Karthus s'il touche au bout d'un moment. Et là on va y aller tranquillement, on a remonté l'économie grâce à la streak. On a 2 morts de Kaiser, on peut le Nico techniquement je pense quand même ce mort 2. On garde un peu la puissance des jambes, apparemment c'est pas nécessaire. Et on va itemiser directement un Morello sur le mort 2. C'est sans doute un item qui partira sur Karthus à terme ou une autre unité, mais en tout cas ça, il y a peu de chances que ça reste sur mort 2 à mon avis. C'est un super item le Morello, un meilleur item de la méta actuelle, donc on veut vraiment le slam. On a tellement d'items bench, il faut absolument slam quelque chose. C'est pour ça qu'on a fait ça. Mais on veut attendre de voir au moins l'augmente, voir s'il y a quelque chose de cohérent à faire avec. En tous les cas, il gagne ce round. C'est pour ça il a attendu de voir le round en fait pour faire son choix. Si le mec était plus fort en face, peut-être qu'il aurait pris autre chose. Là, on a 3 options qui sont vraiment pas mal. Gift, c'est pas terrible parce qu'en fait, on a déjà beaucoup de stats offensives en fait avec la Titan, etc. Donc, c'est pas forcément les stats qu'on veut. On a la Sten, etc. Ça reste bien, hein, ça reste super, mais c'est pas forcément la meilleure comparée aux deux autres. Little Buddy, sachez que c'est très fort dans les stats et c'est acceptable parce que quand vous allez niveau 9 et que vous jouez Tahm'Kench, vous jouez Olaf, vous jouez Gnar, vous jouez Kayle, et bien en fait, vous allez pouvoir buff énormément votre Yorick, vos Illaoi. Donc, c'est vraiment pas mal Little Buddy, mais Bulk, je pense que c'est trop fort pour le skip, surtout avec plein d'items random comme ça. Bulk, c'est 300 HP qui sont amplifiés par Bruiser aussi. Non, on va roll directement, tout simplement parce que il veut toucher des bonnes augmentes. Et il a eu raison, il a touché Heavy Eaters qui est une des meilleures augmentes de la compo, top 3 augmente gold, donc on va la chercher directement. Mais je pense que c'était totalement prenable les 3 autres augmentes, donc intéressant. Et là il va directement roll parce qu'il veut value ses items, il a trop d'items AP. En fait il se dit sans doute qu'il est contest sur Pentakill. En vrai c'est vrai qu'il avait toutes ses unités niveau 1, j'abuse un petit peu. Il lui fallait peut-être quelque chose. Il a rentré un 7-2, il a un Z là qui est sur le board. C'est un peu à rien, on va faire un blue buff directement. Le blue buff, je me demande un peu sur quoi il veut le mettre. Il me semble qu'il aime beaucoup jouer en Dazzler avec Ziggs et peut-être avec Bard Lucian. En fait Lucian c'est une des meilleures unités du jeu actuellement, si ce n'est la meilleure unité en vrai en termes de dégâts, c'est super fort Lucian. Et à côté de ça, on a Ziggs qui va scale à travers le fight, qui va faire de plus en plus de dégâts à chaque cast, et du coup c'est super cohérent avec une aussi grosse frontline que le Olaf. Donc c'est peut-être ça qu'il aime bien, c'est pour ça qu'il a slam le blue buff. Il aime bien l'item globalement. De toute façon, blue buff ça reste un item très fort, ça vient d'être nerf un petit peu, mais ça reste super fort, beaucoup de dégâts, beaucoup de cast. Et c'est intéressant de voir qu'il slam pas non plus Steadfast, hein. Je pense que c'est un bon item, il pourrait s'en servir, il pourrait directement slam ça sur 7. Il sait qu'il est assez fort pour gagner, ça c'est vraiment du knowledge, hein. Moi j'ai pas ce knowledge là sur la compo, je pense que j'aurais pas fait ces choix là par erreur, hein. C'est qu'il sait qu'il est assez fort en fait, qu'il a pas besoin de slam ses items et du coup il le fait pas. On va directement récupérer une autre tier, le Spoil of War, qui vraiment, on dirait une Kiana, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va aller faire avec ça? On a une Spat, c'est excellent. Spat Pentakill, bien sûr. Si vous avez des Spats, n'hésitez pas à faire des Spats Pentakill dans cette compo. Un Yorick aussi, bien sûr, qui est super fort. Bon, les deux viennent de partir, c'est un peu relou. Quand on va récupérer une Belle, qu'est-ce qu'on va faire avec cette Belle? C'est une Rédemption, j'imagine. C'est un item qui scale bien sur les Bruisers, classiquement. Ouais, c'est ce qu'il fait. Et donc là, vous voyez, c'est important d'avoir, quand vous jouez Olaf dans ce genre de match-up avec, contre Riven, là il était contre un Yone, c'est important d'être vraiment en face du carry frontline. Là encore, ça reste un Yone 2, mais même contre un Yone 3, il faut être en face. Parce que si vous le tuez pas avant qu'il scale, avant que les Titans scale, avant que les Crowddivers scale, avant que le Yasuo ait le temps de faire plein de casse, enfin, si vous arrivez pas à vite tuer ces carries là, ça va être compliqué. Ce qui peut être un peu dérangeant, c'est quand ils ont un GA en face, un Edge of Night. Le Edge of Night peut empêcher le Olaf. En fait, le Olaf va taper jusqu'au Edge of Night et après il va se faire full burst. Donc c'est peut-être un peu une mauvaise idée dans ces match-up là. Et en face, par contre, on a Harry. Harry, ça reste un match-up. On n'a pas du tout envie que l'Olaf soit en face d'Harry. Donc ça va que Larry est un peu bloqué au milieu avec son proc KDA. Mais il faut faire très attention parce que pour le coup, elle a beaucoup de mal à burst le Olaf. Mais si elle a assez de frontline, je pense qu'elle peut le burst très vite quand même. Après ça va, c'est pas le pire scénario. Mais regardez, hop là, elle envoie quand même beaucoup de dégâts sur ce Olaf. Est-ce que ça va suffire? Bon, après il n'y a pas beaucoup de front en face. Mais quand même, je pense que c'est une des compos qui a le plus de single target DPS. Donc ça fait un peu peur. Faut faire attention quoi. Et là on a directement un Ziggs. Est-ce qu'on va pas juste jouer autour de ce Ziggs? Over ce Z, ça c'est une certitude que c'est mieux. Voilà, avec un blue buff, parfait. Ok, on a de quoi faire le Sterak, parfait. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On peut faire Arcane. Moi j'aime bien, thème défensif Archangel, on passe les items sur le Ziggs. Okay, on va faire une Bramble directement, plutôt qu'Archangel, on va prioriser Jeweled, adaptive, plus de dégâts en fait que d'items défensifs, c'est vrai en même temps logiquement, ce Olaf tank déjà bien assez. Là vous voyez on est en face de la Riven mais il est un peu reculé donc malheureusement on lui tape pas directement dedans, mais il faut vite taper dans la Riven parce que
Voilà, vous voyez, et pourtant Riven c'est super fort, hein. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, vous savez que c'est super fort, super puissant dans la méta. Il y a eu un tournoi chinois très récemment avec Doob d'ailleurs qui est allé en finale, et on a vu que Riven avait une domination encore, c'est super fort les gars Riven. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo si c'est pas déjà fait. Grâce aux dégâts de Olaf et à la tankiness de Olaf, on a pu full DPS la Riven, donc vraiment dans ces match-up là, mettez-vous en face. Et on passe directement niveau 9 sur la curve avec 10 de win streak sur un top tournoi américain. C'est vraiment broken, hein. Je vous jure que c'est pas joué en bronze ou quoi, là c'est contre des mecs, il y a littéralement Wiseman Iverson qui peut être considéré comme le meilleur joueur américain actuellement, et on n'a pas du tout encore proc la Sten, hein. on joue avec une augmente de retard. Je pense que le spoil of war a été un peu rentabilisé, mais on peut dire qu'on a deux augmentes de board qui sont pas vraiment actives, donc on a vraiment beaucoup de valeur sur ce Olaf 3, c'est assez dingue. 11 de win streak. Comme on a une domination pareille, on va forcément utiliser notre avance. On regarde un petit peu, voilà, on regarde le lobby, on voit qu'on bat à peu près tout le monde pour l'instant, donc il y a peut-être le Yone qui est en last Sten qui fait un peu peur, mais on va pas juste jouer pour lui et commencer à roll down pour rien. On va tag des mecs qu'on peut battre, et du coup on va essayer d'économiser un maximum, soit pour faire un énorme roll down, on passe tout niveau 2 et on close la game là-dessus, soit on passe niveau 10 et on essaie d'aller chercher un encore meilleur cap. Bien sûr, au bout d'un moment, voilà, Olaf il a ses limites, hein. En fait, Olaf il va surtout avoir ses limites contre les gros tanks comme le Mordekaiser ici qui a Steadfast plus Gargoyle plus Diamond Hands, enfin c'est beaucoup de tankiness, donc l'Olaf il est bloqué pendant très longtemps. Et si en face le mec a le temps de scale sur son fight avec Dark Angel, avec quoi que ce soit. Un truc qui est aussi intéressant, c'est que Giant Slayer dans la méta c'est pas un super top item, et bah c'est censé être l'item qui burst les bruiseurs, donc c'est ce qui rend aussi Olaf très fort, c'est qu'il n'y a pas trop de counter. En fait, le truc est très fort dans beaucoup de match-up. Il y a peut-être des match-up un peu compliqués. Le match-up le plus compliqué d'ailleurs, c'est Vex. Vex qui est la peut-être meilleure compo de la méta avec Disco. En termes de puissance de board finale, c'est super fort Vex. Si vous avez tout niveau 3, c'est absolument dingue. Donc le problème de Vex, c'est qu'elle peut le CC. C'est pour ça que si par contre on a des augmentes comme Indomitable, Silver Veil, des augmentes qui empêchent de se faire CC, ou si on a Banshee's Veil aussi à côté, ça peut aider. Là, on n'a pas tapé dans la Riven assez vite. Est-ce que ça va suffire du coup? Ça a l'air d'aller, parfait. Passe directement le Zac niveau 2, on a des X qui tombent, on arrive sur un PVE et vous voyez que tout le lobby est presque mort. C'est vraiment, j'adore cette compo, je trouve ça magnifique. On va roll directement, on a roll un petit peu. Gagner des rounds maintenant que tout le monde est low HP, ça a beaucoup de valeur parce qu'on leur enlève des HP, on se rapproche de la victoire. Reste à 40 gold quand même. On a un Yorick qui est bien sûr meilleur que ce Gnar, on a Mosher avec. Si on a Zix 2, Yorick 2, on est surpuissant, mais on peut peut-être même aller au niveau 10. Après, je pense que la game va se finir avant le niveau 10, donc à mon avis, ce serait plutôt rentable de roll down ici parce que perdre un round pour rien, ça peut nous coûter une place. Alors que dans tous les cas, attendre le niveau 10, bah, ce sera peut-être là que un round, et peut-être qu'on va rien toucher et que ça servira à rien. Vaut mieux peut-être juste roll que d'utiliser les 80 gold. N'oubliez jamais que push ça coûte des gold, donc c'est pas comme si on passait juste niveau 10 et on se dit ah, mais on a plus de chances de toucher nos unités au niveau 10. Oui, mais non, parce que avec un roll down, on a plus de gold utilisé aussi au niveau 9, et du coup, on a plus de chances de hit aussi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? J'aime bien Adaptive Helm, très bon item de la méta. On a décidé de faire une BT pour pas que le Yorick se fasse burst. C'est compréhensible parce qu'en fait, Yorick c'est notre source de shred, donc ça nous permet de baisser les résistances physiques et du coup d'augmenter les dégâts d'Olaf. C'est assez important. On a déjà le Ziggs pour réduire les résistances magiques, c'est sur son spell. Donc là, le Olaf, il est en pur 1v9, je pense pas que ça va suffire, parce qu'on joue contre Crowddiver, qui est la compo qui scale le plus dans les fights, donc compliqué, mais est-ce qu'on va pas faire un roll down ici? Ou est-ce qu'il attend vraiment le niveau 10, hein? Franchement, j'ai l'impression qu'il veut juste caper avec son niveau 10. Le Olaf, le Yone m'a l'air très dur à battre, c'est vraiment... Là, le Yone, il est dans un état de scaling qui est absolument dingue, un bug aussi en face, ces deux mecs qui ont vraiment des compos ultra late game, et nous, je vous le rappelle, on joue un Olaf 3 star, on joue pas la compo la plus late game en théorie, mais ça reste super fort, vous allez voir. Disco, c'est pas le pire matchup du monde, c'est pas le meilleur non plus, mais classiquement ça, c'est des longs fights, et en fait Olaf il a le temps de s'exprimer. On a Zix 2 qui tombe tout seul, en fait il y a pas trop d'intérêt à rester niveau 9, on va roll au niveau 10. Alors Olaf vous pouvez le jouer même s'il y a quelqu'un qui le joue dans votre lobby, à 2 vous pouvez tous les deux toucher, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué et je vous le recommande pas, mais c'est faisable. Globalement vous pouvez vraiment, je vous dis, jouer bon dans la plupart de vos games, hein. Si ce n'est 100% de vos games. Là on bat le Disco, ça c'est assez normal, et par contre là on est contre le matchup Yone, on va voir comment ça se passe, est-ce qu'on trouve des solutions sur ce carrousel. La Sona paraît intéressante, est-ce qu'il y a autre chose? On la Sona, on la deny, c'est un super item adaptif, on va pouvoir itemiser peut-être ce Ziggs. Passe niveau 10, on touche directement le Yorick 2, on rentre Sona. Et en fait, dans la théorie des choses, un 5 cost chosen, c'est censé être beaucoup plus fort qu'un 1 cost chosen 3 star. Donc si le jeu était, on va dire, balance entre guillemets, là on pourrait pas par exemple vendre le Yalaoi ou quoi. Bon, après, il y a pas trop d'unités pour prendre les items de Olaf, quoique ça pourrait être sur Yorick. Mais voilà, ça pourrait être dans la théorie bien. Mais Olaf, c'est tellement fort actuellement que je vous jure que c'est toujours plus fort que les chosen qu'on peut nous proposer. Et du coup, est-ce que avoir passé ce Ziggs 2, etc., c'est la solution? On a beaucoup plus de burst. Ça reste un match-up compliqué. Va peut-être falloir positionner, trouver encore une upgrade. On a Illaoi aussi, voilà. Illaoi 2, les tentacules. On peut utiliser le positionnement grâce aux tentacules, etc. pour battre ce Yone. On a joué une Sona, hein. Ça reste une super unité. Je pense que dans l'idéal, on aurait joué Jazz. Là, on est loin du Yone, donc on va avoir le temps peut-être de clean-up un peu. On voulait être en face du Yone, hein. C'est pas l'idéal. On a passé aussi la Sona en heal. Bon, voilà. Yone, Last End, Jewel Lotus, c'est absolument dingue. Donc on perd contre ça. Ah non, on n'est pas encore mort. Ah oui, c'est vrai qu'on a Last End nous aussi. J'avais complètement oublié qu'on avait Last End. Alors là, est-ce que notre Last End va pouvoir nous sauver? Est-ce qu'on va avoir assez de dégâts avec ça? On va directement Nico la Lux pour
la vendre parce qu'il n'y a plus aucun 3 cost qu'on veut à ce stade, donc c'est super smart. Il n'y a pas d'intérêt à garder ça, ça nous permet de faire des golds en plus. Et en fait, on pourrait peut-être prendre celui-ci non pour jouer un Jazz. Ah non, je suis bête, ça nous donne EDM aussi, Lux, donc ça nous permet d'avoir des castes en plus de Zach. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Il prend les options qui tombent. Ok, on va trouver directement Sona 2. On se demande si on la joue. Après, on la joue pas. Faut juste avoir le... Ok. Il a fait un fake swap, ici. Donc il est allé à droite, et vite il est revenu à gauche. Et là, il est en face du Yone, et peut-être que là-dessus, il peut gagner la game. On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il a assez de... Parce que Yone, ça scale dans le fight, donc on peut le tuer avant qu'il scale. Voilà, magnifique. Excellent. Très très bien joué, un fake swap pour empêcher au Yone. Je vous laisse revenir en arrière, voir à quoi ça ressemblait. En fait, il est allé vraiment super vite pour revenir et faire croire qu'il allait du bon côté. J'avais très envie de faire cette vidéo parce que je sais que beaucoup de monde va être choqué par cette compo. Comme d'habitude, je stream sur Twitch. N'hésitez pas à aller voir dans les commentaires, à aller me follow. Et salut à tous, et à la prochaine.